Juste avant que la vidéo commence, je tenais à vous préciser que pour cette vidéo, j'ai voulu créer un format original encore jamais vu sur YouTube pour ma première FAQ. En gros, pour vous faire simple, cette idée consisterait à animer un personnage différent par personne qui me pose des questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce concept vous a plu, et puis je vous souhaite un bon visionnage. Oh sa mère, je suis trop content! Action! Yeah! Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel de mon côté. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour ma première FAQ sur YouTube. Oui mais alors attends, quand tu dis FAQ, c'est foire aux questions ou foire au cul? Après tu vois, t'étais pas forcément obligé de parler hein. Mais sinon, passe au con! Mis à part ça, comment je suis hypé de découvrir vos questions hyper pertinentes. Ouais du coup, sur quelle raison on va te poser des questions? C'est sur YouTube ou pas? Bah... Oh! C'est sur YouTube ou pas? Bien évidemment, pour réaliser cette FAQ, j'ai dû réaliser un sondage dans l'onglet communauté, là où je publie souvent, donc n'hésitez pas à aller checker, il y a plein de trucs intéressants. Passons à la première question. Ouais frère, t'as quel âge et du coup t'es en quelle classe? Et je te surkiffe, continue comme ça. Merci beaucoup. Alors j'ai laissé des indices dans ma vidéo Halloween, où l'on voyait apparaître à plusieurs reprises le numéro 19, je vous laisserai re-regarder, et j'ai trouvé vraiment ça marrant que certaines personnes aient déjà trouvé mon âge. J'étais genre comme ça dans mon cerveau. Eh hey, mais le 19 là, ça veut dire que t'as 19 ans. Eh hey, les gars! Don't spoil my age, devil human bro. Autant vous dire que j'étais pas bien, mais GG à vous, et je ne suis plus à l'école. Premier. Je suis premier. Bon, faudrait peut-être se montrer pour la FAQ quoi. Impossible que tu me vois ou... Non mais... On voit ton arrière-train dépasser. Ouh, fais chier. Suivant. Ok, ok, bref, toi là, Blood, j'ai une question. Ouais, je t'écoute. Ouais, bah écoute bien ma question. Où es-tu? Oh, chien. Non, plus sérieusement, je suis pour l'instant chez mes parents. J'essaie de travailler à fond sur les réseaux pour pouvoir en vivre plus tard. Voilà, je pense que ma réponse était plutôt correcte. Prochaine question. Blood, est-ce que je peux savoir un truc? Ouais, dis-moi. Je veux savoir pourquoi j'adore tes vidéos. C'est très gentil de ta part. Ça me fait plaisir, mais seul toi peux y répondre. Ok, ok. Comptes-tu faire une vidéo dans ton métier? Oh, doucement les refs. Un à un, s'il vous plaît. Tu le fais ou je le fais? Non, vas-y. Je le... Ouais. Comptes-tu te spécialiser dans l'humour? Bah, je fais quoi, là? Je fais des canapés ou... Enfin, je sais pas. Ok, comptes-tu faire de YouTube ton métier? Ouais, bien sûr. Ce serait un rêve de vivre de YouTube, voire même des réseaux sociaux tout court. C'est un objectif, et on va tout faire pour y arriver. En plus de ça, plus j'avancerai sur YouTube, plus des projets vont commencer à voir le jour. J'en dis pas plus, mais j'ai tellement hâte de voir la chaîne continuer d'évoluer. Prochaine question. Yeah, GG. Attendez, qui les a fait rentrer? Bah, frère, ils m'ont dit si tu me laisses passer, on te donne un tacos. Sérieux, Karim? Non, ils m'ont juste dit qu'ils vont me défoncer, sinon. Oh là là... Bon, c'est quoi vos prénoms, sinon? Yao, GG Ao. Bon, d'accord. Suivant! Ton plat préféré! Eh, pourquoi la caméra est sur moi, là? Hé hé, c'est ces petites merveilles. Bonjour. Eh, hey, tu vas bien? Oui. Cool, alors je t'écoute. T'es gay? Non, non, hétéro. Quand la facecam? Un jour. T'as quel âge? 19. Tu t'appelles comment? Bientôt. Bientôt, tu te fous de ma... Sécurité! On arrive. Oh, bordel, t'aurais jamais dû. Dame les demi de lisse. Comme n'importe quel humain. Tu kidnappes des gens? En l'occurrence, non, c'est toi qui te fais kidnapper. Prochaine question. Excuse-moi. Oui, bonjour. Juste pour savoir. T'es enceinte? Oh, pardon, c'était juste pour savoir. No problemo, mec. No problemo. Parce que je suis médecin, en fait. J'examine des gens. Blood, je peux sortir de ton t-shirt maintenant? Prochaine question. Salut. Une chèvre? Mais qui a... Écoute-moi, mon frère, j'ai des questions pour toi, Hiro des Blouda. Ouais. Bon frère, on parle sérieux, tu créeras ton serveur quand? Parce que tu disais, quand tu seras plus connu, mais à quel palier précisément? Eh bah, t'as vite mué. En soi, justement, je n'en ai pas la moindre idée. Ce que je sais en revanche, c'est que ça se constate au nombre de vues et participations au live. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Ça marche. Tu feras du gaming un jour? Effectivement, c'est en préparation, il me manque plus que le PC qui va bien avec, et ça part direct. Ok, ok. Merci de rien. Hé, hey, tu te moques de moi ou je rêve? Non. Tu restes tranquilo. Tranquilo. Prochaine question. Oui, bonjour monsieur. Non, non, ça ira. Comment ça? J'ai pas de questions à poser. Mais alors pourquoi vous êtes là? Approche. Un 30 grammes de momo, ça te dit? Non, non, ça ira. Suivant. Mes frères, ils sont 3D. Suivant.
C'est quoi ton animé préféré ? Alors ça, c'est une question qui me revient souvent dans mes lives, mais du coup, pour y répondre en vidéo, l'animé qui m'a le plus marqué, c'est Erased. Un animé que je vous recommande fortement, et en voici le synopsis. Satoru Fujinuma est un mangaka qui n'arrive pas à faire décoller sa carrière. Pour arrondir ses fins de mois, il travaille comme un livreur de pizza. Réservé Satoru ne s'ouvre pas au monde qui l'entoure. Pourtant, il a la capacité de revenir quelques minutes en arrière avant qu'un accident se produise. Et croyez-moi, ce pouvoir j'aurais tellement kiffé l'avoir quand j'ai mangé mon cassoulet. Et comment j'ai largué une caisse ? Suivant ! Moi, c'est une question de ouf. Vas-y, je t'écoute, Asia. Ma question, c'est... Est-ce que tu penses qu'un jour, tu montreras ta tête en vidéo sur YouTube ou autre ? Sinon, t'es trop un BG, je te kiffe trop. Eh bien, effectivement, c'est un projet que j'entrevois dans le futur. Continue de faire des cartoons, mais aussi faire des vidéos facecam, vlog ou peu importe, pour enrichir la chaîne, pour ne pas vous laisser sans rien. Les vidéos cartoons prennent masse de temps, alors pour combler ce vide, j'ai pensé à cette idée. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait. D'accord. Franchement, grave intéressante cette question. Merci beaucoup, Asia. Oh, t'inquiète. 500 euros, s'il te plaît. Quoi ? Suivant ! Tchè, Blood, tu veux écrire un livre ? Un livre ? Non, en vrai, je m'interdis rien, mais si je devais sortir quelque chose autre que mes vidéos, j'aimerais bien faire un manga dans le futur. C'est un rêve que j'ai depuis gosse et... Ce sera un accomplissement de pouvoir réussir à en sortir un ou plusieurs dans le futur. Mais si ça se fait un jour, la team, soyez au taquet. Suivant. Coucou ! Wesh ? Dis-moi, tu vas mettre une heure pour les lives parce que, honnêtement, j'adorerais 19h. D'accord. Sinon, t'as une heure pour chier. Prochaine question. Bonjour. Hey. Je voulais savoir, ça dure combien de temps, à peu près, pour faire et publier un short ? La réalisation d'un short prend 2 heures à peu près, sans parler de la conception de la vidéo. C'est assez éprouvant de faire ça tous les jours, mais au final, je suis content de voir vos retours en commentaire. D'accord. Merci. J'ai dit tranquilo. Tu comptes faire des vidéos plus longues ? Bien sûr, c'est mon objectif dans le futur. Pour la chaîne, j'augmente de plus en plus la durée de mes vidéos. Preuve en est, la vidéo Halloween a fait 4 minutes 18, et maintenant celle-ci, je crois que ce sera la plus longue vidéo. Et voilà, je tenais à remercier les personnes qui ont participé au sondage. Bien évidemment, il y avait beaucoup de questions encore, mais je n'ai pas pu tout traiter, sinon la vidéo allait me prendre plus d'un mois. Franchement, j'ai bien aimé le format de vidéo plus longue. Je me suis plutôt éclaté à animer cette vidéo. Sinon les amis, sachez que vous êtes au top. Au moment où je vous parle, nous sommes à 28 000 abonnés. C'est juste insane. On est en train de tout casser. Et au sujet de la vidéo Halloween, j'ai vu que vous avez grave apprécié la vidéo Halloween, ça m'a grave fait plaisir, voir qu'il y en ait qui attendaient depuis des heures, voire des semaines, c'était juste incroyable. Merci beaucoup. Hâte de sortir les futurs projets du coup. Ouais, je sais, même si tous les youtubeurs le disent, si t'as kiffé la vidéo, mets ton petit pouce bleu, parle de ma chaîne autour de toi, comme ça on continue de grandir de plus en plus. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, gardez la pêche, mais n'avalez pas le noyau. Dis-moi, Blood, quel nombre d'abonnés rêves-tu d'avoir ? Et sinon, je kiffe tout ce que tu fais. Mon nombre d'abonnés ? C'est une question intéressante. Pour être franc, je kifferais avoir le million un jour, mais bien sûr, il y a des étapes avant. Des obstacles, etc. Ce sera pas évident. Mais déjà, à ce nombre d'abonnés, je suis trop fier. Je vous kiffe tous. Vous êtes trop gentils avec moi, c'est trop bien. Mais si on peut aller beaucoup plus loin, ouais, clairement, on va pas s'en priver. Ah ouais, carrément, je lui réponds, elle prend même pas le temps de... Ok, suivant.